Et bien le bonjour à toutes et tous, nous voilà de retour dans Bloodborne. Aujourd'hui, il faut que j'avance, comme dirait l'autre, j'ai quand même pas mal avancé, j'ai débroussaillé le terrain. À force de farmer, les gemmes rondes, triangles ou demi-lunes dans les donjons, j'accumule trop de lucidité, je suis à 88 de lucidité, sachant que quand on arrive à 99, on est bloqué total. C'est un petit peu ennuyeux l'histoire. Je vais aller débloquer la possibilité de pouvoir acheter en point de lucidité au shop là qui est ici, enfin à la vasque. Oh putain, je rentre dans les murs, c'est bien ça. Voyez là, pour l'instant, on ne peut pas acheter. On peut acheter des morceaux de. Les morceaux de pierre de sang, les fragments, machin, ouais, mais bon, après ça vaut 20. Et carrément, les rochers, ça coûte 60. Donc c'est bien, ça me fera baisser ma lucidité. J'ai pas besoin d'autant. Sachant que pour. Sinon, j'aurais atteint déjà les 100 depuis un moment. Je me suis obligé d'acheter un morceau de pierre de sang. Alors que, vous voyez, en stock, j'en ai 34. Sachant que pour monter une arme en plus 9, il en faut 16. Donc 16 et 16, 32. J'ai de quoi monter deux armes en plus 9. J'ai récupéré hier en faisant le loft de. Je suis allé là. J'ai fait toute la partie. J'ai fait le cauchemar. J'ai fait frontière des cauchemars. La chambre d'Amygdala. Donc j'ai battu le boss. Cauchemar de Men 6. Où j'ai battu Nicolas, l'offre de Mergo base, l'offre de Mergo milieu, c'est là où on va aller se battre contre la nourrice de Mergo. Sachant que j'ai réussi à récupérer toutes les lunes qui permettent de gagner plus d'écho, j'ai mon truc complet. J'ai mon truc complet pour. Voilà, j'ai les 3 demi-lunes là, ce qui permet de gagner le maximum d'écho de sang. Et j'ai récupéré toutes les runes de vision. Voilà, j'ai les 3 runes de vision qui permettent d'avoir une meilleure découverte d'objets. Pour ce qui en est de ce que je porte, j'ai une énergie max augmentée à 20% comme rune. J'ai toute résistance ajoutée, donc plus 100 dans toutes les catégories. De résistance, que ce soit la folie, au poison, lent, le rapide ou autre. Donc toutes les résistances sont augmentées de plus 100. Et j'ai un ennemi tué, plus d'objets, donc un taux de loot amélioré. Voilà, c'est les résistances, enfin les runes que j'estime devoir porter pour aller faire la mission que je vais faire. Au point de vue du niveau, c'est pareil, vu que c'est farmé les donjons, je gagnais beaucoup et tout, je suis monté de quelques niveaux, je suis maintenant level 295, donc ce qui n'est pas rien, 99 en vitalité, endurance 40, ça bouge pas et ça bougera pas, force 90, 60 en compétence, teinte sanglante 6, c'est la valeur de base, et ésotérisme 50, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai réparti mes points. Je vais continuer à monter la force et la compétence. Et puis après je passerai éventuellement à l'ésotérisme. Et puis en tout dernier lieu je monterai l'endurance. Parce que l'endurance, vous voyez là j'ai 310 en découverte. Quand on monte l'endurance à max, quand on y met 99 points, on obtient 170. Moi actuellement n'ayant mis que 40 points, je suis déjà à 160. C'est à dire que entre 40 de suite et max 99, ça me ferait gagner que 10 points. 10 points pour 59 niveaux, ça fait un peu cher payer le niveau, voilà. Ça fait pas beaucoup de points par niveau, donc j'ai aucun intérêt à y monter. Voilà pour ce qui est de la partie débriefing du début de vidéo. On va aller donc au loft de Mergo, milieu. J'ai débloqué bien sûr tous les ascenseurs.
J'ai fait hier, ouais, j'ai fait une sorte de speedrun, hein. Tout en, vous me connaissez, je fouille toujours les recoins. Donc j'ai ramassé tous les objets que j'avais à ramasser, et voilà. Moi je suis pas du style, je me balade avec la mitrailleuse que j'ai équipée, qui est pas mal. Est-ce que je vais monter la mitrailleuse? Je vais pas regarder, ça y est, mon joystick qui commence encore à drifter. Il va falloir encore que je l'aspire, c'est chiant, c'est pénible. Putain, c'est le lance-flamme que j'ai monté à plus 9. Il faudrait que je la monte à plus 9. Voire plus 10. Parce que le lance-flamme aussi, ça fait des beaux dégâts. Mais là, la mitrailleuse, ça cartonne pas mal. Ouais, je pourrais la monter. Je vais la monter d'ailleurs, ouais. Ah, c'est parti. 6, 7, 8, 9. Et voilà. Et il me reste un rocher de sang que j'ai trouvé hier. Et vu que je vais en racheter un. Et ben, vu que je vais en racheter un dans votre monde, je vais le monter. J'en aurai plein des rochers de sang. Je monterai pas 36 000 armes. Allez, soyons fous. Ouais, du coup, il m'a remis le truc. Ouais, par contre, mon joystick qui commence à déconner sacrément. Je vais faire une save de sécurité parce que c'est vrai que là, j'ai commencé à jouer tout à l'heure. Plus ce que j'ai fait cette nuit et tout, mais j'avais pas sauvegardé. Je sais plus à combien je me suis arrêté. À quelle heure je me suis arrêté cette nuit. Mais j'ai bien tryhard, hein, putain. Par contre, ouais. J'ai vraiment. Ouais. J'ai bien tryhard. J'ai bien tryhard cette nuit. Hein. Enfin, dans la soirée. Oui, j'ai arrêté à 2h47 du matin. Donc, ouais. Mais bon, vu que j'ai refait un tour ce matin, j'ai chopé des objets. Je voudrais pas après encore me faire pomper. Normalement, en théorie, je rencontre pas de suceurs. Vous savez, ceux qui vous chopent et qui vous piquent vos points de lucidité. Ça y est, l'hôtel est passé en mode. Elle est redescendue. Elles sont chiantes, ces clés USB. Un coup, c'en est une qui est en bas. Un coup, c'est l'autre qui est de l'autre côté. Vérifie. J'ai une sécurité, j'ai une triple sauvegarde. Donc j'ai fait la TDK, maintenant on va faire la cruise. Qui est la clé USB la plus lente que j'ai. Voilà. Comme ça je vais pouvoir aller farmer les donjons pour récupérer les gemmes rondes et triangulaires comme je les aime. Et améliorer toutes les armes que je souhaite porter. Voilà. On est donc parti voir la nourrice de Mergo. Sachant que pour ceux qui font les quêtes et qui veulent obtenir le vrai combat final avec le double boss à la fin, il faut obtenir les trois tiers de cordon ombilical. J'en ai déjà deux. Et c'est à l'issue de ce fight boss qu'on va obtenir non seulement le tiers de cordon ombilical,
mais la possibilité d'acheter donc à la vasque avec 60 points de lucidité des brochets de sang, ce qui est tranquille. Tiens, on va voir combien. 55 heures, 14 minutes et 49 secondes, j'arrive ouais, à la nourrice. Donc là, on voit mon autre personnage principal, le 465, où j'ai 171 heures. Donc voilà, en 60 heures, on torche le jeu de fond en comble. Mais c'est pareil, quand je dis on torche le jeu, quand on le connaît déjà, hein, attention. Si on veut tout récupérer, faire comme je fais, récupérer tous les objets, faire les quêtes, voilà, il faut bien ça. Donc on est parti, on va au milieu, tous les ascenseurs sont déjà débloqués, hein, pour y arriver directement. Récupéré hier ouais, la demi-lune, enfin, la lune plus 2. Oulala. Excusez-moi, je souffle. Mon joystick qui commence à drifter, il va merder pendant le combat du boss. Là, je m'en fous, je passe. Je monte les escaliers. On entend un bébé qui pleure. T'inquiète bébé, on arrive. Il y a un landau en plus dans l'arène. On y voit que dalle. Hein. Bon, je sais que c'est en face. Donc, je déboule. Là, on sort de la pièce. Là, il y a la petite dame. J'y touche pas. Là, c'est pareil. Là, il y a un objet que j'ai pas pris. Bah, il a disparu. Il y avait une potion de Joseph K. Je pouvais pas la prendre. Sachant que j'ai une arme là. J'ai du moins 63 de diminution de solidité. Donc je peux pas trop faire de longues périodes où je tape les ennemis. Parce que sinon bah, ça me diminue, ça me fragilise mon arme. Et après je risque de la péter. Bon, et ben voilà. Le moment est arrivé. Je suis en train de finir mon mégot. Je vais boire une petite goutte de café avant le combat de boss. Mais normalement, ça devrait très 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 bien se passer parce que je suis normalement en termes de level bien au-dessus. Que quand j'ai fait avec mon premier personnage. Voilà, donc là on arrive devant l'arène de boss. Vous voyez si vous voyez arriver là où il y a plein de petites personnes, il y a des enfants, hein, vous regardez, il y a des enfants et tout. Ils ont toutes des cages sur la tête, comme Nicolas. Nicolas, c'était marrant, c'est dommage, j'ai pas fait de vidéo sur ce boss, ouais, parce que bah, il a pas duré tellement longtemps. J'ai pas eu à le combattre, vous savez, on commence à le combattre dans une pièce. Après, à la moitié de sa jauge de vie, il se barre, faut le recourir après. Mais vu que moi, j'avais, comment dire, j'avais monté mes énergies, vous voyez là, j'ai une énergie max à plus 20%, énergie max augmentée. J'avais la plus 20, la plus 15 et la plus 10. J'avais plus 45%. Donc ce qui fait que quand il courait, je courais plus vite que lui, je le rattrapais, je lui mettais des coups. Donc ce qui fait que quand on est arrivé dans la deuxième arène, je lui ai mis deux coups, donc c'était même presque même pas marrant l'histoire. Donc ça a été vite torché. Et puis mon arme là qu'il faut que j'améliore, parce que là pour l'instant que j'ai pas toutes les runes, que je tape au moins du 1088, du 1100, un truc. Bon après là elle tape bien, hein, je vais pas me plaindre, j'ai une arme montée en plus 10. L'autre elle est montée qu'en plus 9, d'ailleurs je l'ai montré en plus 10, le coup précis. Celui que j'ai été chercher qui fait l'objet de ma précédente vidéo, le coup précis étrange.
qui est constitué de deux gemmes rondes plus une triangle. Ça, c'est les gemmes que j'affectionne parce que j'ai deux donjons où je vais farmer dans un les gemmes rondes 27,2 et dans l'autre les gemmes triangles 27,2. Attention, il faut passer des heures et des heures avant que ça tombe du 27,2. Et bien souvent, vous tombez sur des malus, des trucs négatifs sur votre arme du style PV moins 9, c'est-à-dire que votre jauge de PV elle descend de moins 9 toutes les secondes. Donc faut tout le temps surveiller sa jauge de points de vie. C'est un peu pénible. Moi j'ai moins 63 en truc. J'ai une atténuation sur les monstres. Tiens, ben j'en utilise pas beaucoup, mais on va le mettre quand même. On va mettre à la place de quoi? Oui, parce que là j'ai pas besoin de me téléporter. On va mettre une graine de monstre pour voir en combien de temps ça dure l'histoire. Graines de monstre pour commencer le combat. Bon, are you ready? I'm ready. Et c'est parti. Je crois qu'il faut toucher ce landau, même pas. Cinématique. Sachant que c'est pas comme ça qu'il faut le faire, faut le faire par derrière. Et là il va le détruire. Là quand il est là. Il tape 1836 quand même. C'est pas beaucoup de dégâts, il est terminé normalement. Aïe aïe aïe. Allez, termine. Au revoir. Bye, la nourrice de Mergo. Il y a le bébé qui pleure. Alors là, chaque fois qu'on arrive à la fin du combat, on croit que je vais me soigner. Faut attendre quelques secondes et tout. Et là normalement, voilà, que je pars éliminer un tiers de cordon ombilical, comme je vous l'avais dit. Et en théorie, le fait, donc quoi, putain, 94. Là, il m'a fait gagner, j'avais 88, il m'a fait gagner 6. On touche le truc. J'avais 6000 et des brouettes, donc il fait gagner 72000. Et puis j'avais aucun bonus de... Là, je sais pas s'il y a une suite pour aller plus loin. Je me souviens plus. Donc, vous voyez, là, j'ai fait qu'un combat avec l'atténuation que j'ai de mon arme. On va regarder par curiosité combien j'ai de réparation. J'ai que 173. Mais bon, elle est quand même pas mal baissée. J'ai mis que quelques coups. Hein. Et comme je disais, j'ai... dans cette arme, ouais, donc c'est la deuxième, c'est la triangulaire, où j'ai une solidité des armes diminuée par moins 63. Bah, ils disent des armes, c'est de l'arme où il y a la gemme, hein. C'est pas des armes, c'est de l'arme. Moins 63, atténuation, attaque monstre, moins 11,3,
et une dépense d'énergie aux commandes de 3,2, mais on n'a pas trop le choix. Je vais essayer de trouver une 3%, parce qu'il existe une, il existe des 3%, mais il va falloir que je farme comme un gros salaud pour obtenir... là, j'ai des 19. Celle-là, elle m'augmente, ok, mais elle me fait perdre 9 PV toutes les... donc voilà, j'en ai plusieurs des 19, donc j'ai pas mieux. Et donc, ce que je voulais, c'est avoir maintenant, normalement, en théorie, à la vasque. Ah oui, maintenant, ça a mis en feu le truc. On peut aller voir. Et voilà, maintenant que je peux acheter un rocher de les rochers de sang. Donc, à partir du moment où vous tuez la nourrice de Mergo, on peut acheter un rocher de sang. Ce que je vais faire tout de suite, parce que n'importe comment... voilà, j'en ai un en réserve. J'ai monté mon coup précis, je vais monter en plus 10, aussitôt acheté, aussitôt dépensé, le coup précis en plus 10, qui est une excellente arme. Après, moi je préfère le coup précis étrange, là, celui qui obtient, qui a des gemmes deux rondes et une triangle, par rapport à l'autre, là, celui que j'avais monté en plus 6 seulement, qui m'a fait tout le début de mon parcours, hein, c'est avec cette arme que j'ai frappé le plus, mais c'est vrai que le coup précis, vraiment... il fait vraiment le taf. Et là maintenant d'être monté en plus 10, il tape du 648, ouais, 648, sachant que j'ai des gemmes dedans, elles sont pas extraordinaires, je peux améliorer ça facilement. On va remettre en la place le... Et là, les potions n'importe comment, 581, j'en ai fait une pendant 570, là j'en ai beaucoup trop, j'ai pas grand chose, et là maintenant on peut pas acheter un peu plus de trucs, 124, 126, là je peux en acheter combien? On va acheter 4 parce que d'un autre moment après... Alors moi, et là, c'est, je compte monter aussi, ça va arriver toutes mes armes en plus. En plus 6, on va acheter 4. Voilà, donc j'en ai 128, 99 plus 128. Je fais un petit peu de stock sur mes trucs. J'ai pas essayé ça. Quoique non, bon. Voilà, maintenant on peut se taper le dernier boss. On a obtenu les trois tiers de cordon ombilical. Il y en a quatre au total. Le quatrième, je sais pas où c'est qu'il est. Je me suis jamais amusé à le chercher. Ouais, et ça, j'ai du grand, vous imaginez, là, multiplié par 2, ça fait 28 points. Et là, j'ai 51, j'ai presque de quoi prendre. J'ai presque de quoi prendre un rocher de sang, tellement que j'en ai des savoirs de démon. Mais je compte le baisser dès que... Parce que les savoirs de démon, ils jouent sur la bestialité. Vous voyez, ma bestialité est à 247, mais tout à l'heure, j'étais à bien moins. J'étais, ça joue sur la bestialité. Alors que si jamais j'ai quasiment pas le point de lucidité... Quand j'en ai zéro, je suis à 495 de bestialité. C'est-à-dire que je tape beaucoup beaucoup plus fort. Donc, oui, je voulais aller voir. Est-ce que au lunarium de la nourrice... Mais le boss, ouais, c'était la nourrice de Mergo. Mais je pense pas qu'il y ait... je pense pas qu'il y ait un truc au-delà. Je pense pas qu'il y a un truc au-delà. Il y a le landau.
l'endroit par lequel on est arrivé. Là, on a des portes. Il n'y a pas d'endroit où il y a des écritures au sol qui permettraient de passer à un autre endroit. Non, apparemment, il n'y a pas d'endroit. Ah oui, je voulais aller voir si elle y est, la petite dame, maintenant. La petite dame blanche, que j'ai pas tuée, hein. Parce qu'il y en a qui la tuent, moi je l'ai pas tuée. La petite dame en blanc, tout ensanglantée. Elle est pas méchante. Est-ce qu'on peut lui parler à elle? Hein? Elle a disparu. Oh merde. Ben voyez, hein, je découvre encore un truc que je ne savais pas. Parce que moi dans mon précédent run, je l'avais tué comme un connard. Je croyais que c'était un ennemi, mais c'est pas un ennemi. Et il aurait fallu le sang de triste. Ouais, c'est triste, elle a disparu la petite dame. Elle a disparu. Ouais, donc là il y a le groupe de Pékin. Ah oui, mais il y a les cochons en dessous. Je pourrais aller les taper. Oh. Ça sera. On va bien les foncer. Balle de vif. Et fiole de sang. Oui, je voulais tester ça sur. Je voulais tester ça sur les cochons. Arriver derrière et leur mettre une rafale de mitraillette. Mais ils sont devant. Je marque. Ça fait que dalle. Wow. Il a fait lutter. Attention, ici. Ils peuvent être méchants, hein, les cochons. Hein. Ça peut être très méchant. Un cochon, là, ils peuvent me tuer facilement. Je vais me soigner, j'ai pas envie de mourir contre des cochons. Ouais. 18 900, ils gagnent les deux, hein, quand on les tue les deux en même temps. Et ils balancent de la folie, eux. Ils balancent de la folie. Ouais, donc, oui, le... Ouais. Ouais. C'est pas terrible le fait la mitraillette, ouais. Ça y fait pas grand chose. J'ai pas essayé. J'ai pas essayé sur en attaque viscérale de face. C'est pas. Ouais, c'est pas terrible. Hein, ouais. Bon. Ben, en espérant que ça vous ait plu. Voilà. Une bonne journée à vous toutes et tous. Une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.